Suivant un autre extrait de l'émission tout de suite. Le Maroc est un pays avec un fort potentiel agricole et donc l'agro-industrie pourrait peut-être être une niche à explorer. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue quand j'étais au Maroc. Tous les produits, tous les excellents produits marocains qui trouveraient bien des acheteurs sur le marché japonais. Et aussi le vin marocain qui commence à avoir de plus en plus d'amateurs au Japon. Mais en fait, à l'avenir, j'espère qu'il y aura peut-être, outre le phosphate et les produits agricoles, les produits industriels qui pourraient être exportés du Maroc au Japon. Et puis, si vous me permettez de revenir un peu aux investissements, j'ai deux idées personnelles qui peut-être mériteraient d'être explorées. La première, c'est d'attirer davantage des PME japonaises sur le marché marocain. Parce qu'en fait, il y a un grand nombre de PME japonais qui excellent dans le domaine manufacturier, mais qui ne trouvent pas les opportunités suffisantes pour investir à l'étranger. Donc, si ces PME réussissent à trouver de bons partenaires au Maroc, peut-être qu'il y aura des possibilités. Et la deuxième, c'est peut-être au Maroc, vous avez des tas de startups qui naissent et qui font des efforts pour réussir. Donc, s'il y avait davantage une symbiose entre les investisseurs japonais et les startups marocains, ça pourrait peut-être être intéressant.